Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD. Et aujourd'hui, nous attaquons à la troisième mission du didacticiel, qui devrait être un peu plus longue que la précédente, qui est entraîner les troupes. Dans les villages des Highlands, le bruit court sur des menaces d'escarmouches entre l'Écosse et l'Angleterre. Nous avons perdu la ville de Dunbar cette semaine. Les défenseurs écossais ont rompu les rangs et pris la fuite. L'armée des Anglais est plus importante et mieux entraînés. Pour rivaliser avec eux, nous allons avoir besoin de nouvelles recrues pour prendre la lance, l'épée ou l'arc. De ces bergers, nous devons faire des soldats. Nous aurons besoin de beaucoup de soldats pour défendre la patrie. Nous allons commencer par créer des villageois. Cliquez sur votre forum, puis cliquez sur le bouton « Créer villageois » en bas à gauche de l'écran. Un villageois prend du temps pour apparaître. Bien joué! Le villageois est apparu près de votre forum. Maintenant, créez un autre villageois. Il vous faut un logement supplémentaire pour accueillir votre population. Pour construire une habitation, cliquez sur un villageois. Bien joué! Essayez de construire une autre habitation. Cliquez le bouton bâtiment, cliquez le bouton construire habitation, puis cliquez sur l'endroit où vous voulez la construire. Chaque habitation peut accueillir 5 unités. L'indicateur en haut de l'écran affiche votre population actuelle tolérable. Si plusieurs villageois construisent un bâtiment, ça ira plus vite. D'autres bâtiments sont construits comme des habitations. Essayez de construire une caserne. La caserne est un bâtiment militaire. Ah, je suis vraiment très rapide, je sais. Mais voilà, c'est à force qu'on ait une mission. Donc, voilà. Et je n'ai toujours pas corrigé l'histoire des fermes. Je verrai ça après, en fait, tout le didacticiel. On va faire avec. La caserne est terminée. Vous pouvez maintenant créer des soldats. Cliquez sur la caserne, puis cliquez sur le bouton Créer miliciens. Si vous sélectionnez plusieurs bâtiments ou unités, des options différentes vous sont proposées en bas à gauche de l'écran. C'est une unité de milice. Créez-en 3 de plus et vous aurez suffisamment de soldats pour protéger cette zone et gagner le scénario. Cliquez sur la caserne et cliquez rapidement sur le bouton Créer miliciens 3 fois de suite pour obtenir 3 soldats en rang. Voilà, c'est déjà fini, hein, bientôt, donc une vidéo encore très courte, mais voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Comme ça, vous pourrez regarder plein de vidéos. Maintenant que vous avez quelques soldats, vous pourrez défendre cette zone contre les attaques des Anglais. Maintenant que nos milices sont en poste sur la frontière, les Anglais ont réduit leur raid. Mais contre l'armée de Longshanks, ce sera une autre histoire. Le cruel roi d'Angleterre n'a pas encore apporté ses fameux arcs. Nos milices ne peuvent pas nous mener plus loin. Nous allons avoir besoin d'armes plus sophistiquées. Et voilà, nous avons découvert comment on entraîne des troupes. Je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.